Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo en compagnie de Yacine. Yo, aujourd'hui vidéo assez particulière, c'est enfin le jour J. Mais tu fais quoi? Bah, je suis en train de jouer à la console. On est à l'aéroport, la famille. Non, enfin, en Algérie, c'est pas le moment de jouer. Ah ouais, famille, on est à l'aéroport, on est parti pour aller en Algérie pour la première fois sur YouTube. On va où plus exactement? À Alger. À la capitale, ça va être une dinguerie. Moi je suis pas là ou... 1, 2, 3, viva l'Algérie les... Plus le temps que vous nous demandez ça, ça y est, tous nos papiers sont disponibles. Ça va être notre première fois comme la Yacine a dit. On se retrouve dans cette vidéo plutôt incroyable les gars, likez, abonnez-vous. La code famille en Algérie. C'est parti. L'avion, on n'est pas encore arrivé mais vous connaissez à l'aéroport, il y a toujours des PS5 pour patienter. Regardez, elle est toujours en train de bouffer là. Et bah tombe. Là la famille, il y a un jeu, il s'appelle Tekken, c'est un jeu de combat. Et on va prendre un personnage bien soigné. Attends, là je suis pas en train de rêver. T'es en train de jouer à Tekken, tu joues pas à Fortnite. Bah, y a pas Fortnite. Attends, je peux voir si je rêve pas. Non, le vrai DZ c'est lui. Parce qu'il a des cicatrices. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Tu vas faire quoi ta première chose en Algérie? Ma première chose que je vais faire en Algérie, c'est je vais dire 1, 2, 3, viva l'Algérie. Il est en train de le déglinguer. C'est quoi la première chose que je vais faire en Algérie? J'irai voir un DZ là-bas, je ferai. Salam alaikum! Y'en a Zazayen! Elle est malade! Ah, mais Yacine, faut savoir parler arabe en Algérie, on s'est même pas entraîné! Vas-y, faites une discussion genre. Salam alaikum! C'est combien le paquet de chips? Ah, il faut que je fasse avec le geste! Ouais, voilà! C'est combien? J'ai 1000 euros, t'es français? Là, moi je suis pas français! Je vais te parler en français à Tibet! Les amis, on vient d'atterrir, là on attend les bagages. Là, on peut dire que je suis en vrai DZ, je suis bien en Algérie, les amis! Le vol, il était grave rapide! 1, 2, 3! Bon, on récupère les valises, on se pète après. Allez, vas-y, rentrez, dépêchez-vous. Wow, c'est notre maison en Algérie. Je crois que c'est notre maison en Algérie, ça. Oui, c'est notre maison en Algérie pour l'instant, les gars. Donc, j'explique, calme. Avec Yacine et Myriam, il faut rien casser, sinon ici, on est foutu, on paye. Ici, je t'explique, la police, ils rigolent pas. Alors, faites pas les malins, je vous le dis. D'ailleurs, on a vu à l'aéroport, on n'en dira pas plus. Là, je vais vous faire découvrir, les gars, on est en Algérie, ça y est. Je vous ai pris une vraie maison. Mais tu regardes quoi, Myriam? Regardez, déjà en train de se regarder. Bon, vous êtes prêts, les gars? Vas-y, vous pouvez commencer à découvrir. Ça, c'est... Hey, par contre là c'est mon coffre-fort. Il y a personne qui touche. Non, c'est, tu peux pas toucher. Laisse, c'est mon coffre-fort. À droite vous avez les toilettes. Ah mais moi la première fois que j'étais en Algérie, il y avait des toilettes turques pour les se mettre comme ça pour aller aux toilettes. Non, t'inquiète, là ça a bien évolué. L'Algérie, je vais te montrer. Hein, vas-y. Voilà, douche comme ça, tu sens. Là déjà, regardez la douche. Regardez la douche de zinzin. Ensuite là, vous avez un beau robinet. D'ailleurs, on me voit. Et là, on a les toilettes. Voyez. Oh, let's go. La douche, elle est carrée ou pas? Let's go. C'est validé. Alors là, les gars, c'est l'espace principal. Là, c'est notre nouvelle maison. Allez voir. Là, il y a des bas de grands lits. Bon, j'ai déjà tapé mon petit sommeil. L'espace salon, Myriam, donc on peut se poser. Regarder la télé. C'est une masse. Non. Hey, je t'ai dit, la police, c'est des ouf. Arrête. Moi, je te laisse là. Hein. Bon, Yacine, le lit, il est carré ou pas? C'est incroyable, il est trop confortable. Voilà, ça c'est le lit à Myriam. Ici, je vous explique. Vous pourrez prendre des petits cafés. Vous pouvez regarder la télé. Je sais que toi, t'aimes bien manger. Ouvre ici. Vas-y. Le frigo, il est vide, c'est la hesse. Bah frère, j'ai pas le temps. Bah moi, tu sais très bien que je peux manger que du quinoa, y a pas de quinoa en Algérie. Mais t'en as ramené dans ta valise, je t'avais dit de ramener tes affaires de survie. Mais viens voir. Lève-toi. Qui a ramené les valises? Bah c'est les Algériens, ils nous les ont montés, ils sont grave gentils. Ouvre, Myriam, laisse-le ouvrir le tiroir, okay. S'il te plaît. Mais ça c'est mon masque de plongée. Oui. Tu me l'as volé. Non, ouvre le tiroir. Je sais pas. T'as qu'à découvrir. Une bonne étage de quinoa. Là, c'est bon, t'es bien. Oh, je suis trop bien. Mais la meilleure surprise n'est pas ici, les amis. Est-ce que vous voulez voir la meilleure surprise? Ouais, c'est quoi? Vous pouvez venir. Là, les gars, bienvenue en Algérie. Bienvenue chez vous. Regardez-moi ça, les gars. C'est incroyable. Notre si beau pays. Oh, là-bas. Ah ouais, piscine. Notre si beau pays, l'Algérie, ça vous fait quoi, les gars? Il y a mes crampons. C'est un truc de ouf. Il y a grave des gens dans la piscine. Va voir, regarde, il y a grave des gens. T'as une masterclass. Par contre, il fait pas très chaud. Il fait froid quand même un peu. Mais c'est trop beau. Wallah, c'est trop beau. C'est incroyable. La mer, elle est trop belle. Moi aussi, je vais aller nager. Calme-toi. Moi, les amis, je suis super content. J'ai d'ailleurs mis le maillot des DZ depuis le temps qu'on voulait venir en Algérie. Dites-vous, les papiers, vous voulez pas nous les faire? Là, on a nos papiers. Vous savez qu'on est français et on a du sang algérien. Donc là, ce qu'on va faire, sans plus tarder, je sais que vous attendez que ça, on va sortir, découvrir c'est quoi l'Algérie. La première fois que je fais ça sur YouTube, je suis trop content. Vas-y, venez. Myriam, Yacine, venez. On a plein de voisins, donc va falloir pas faire de bruit, je t'ai dit. Tenez-vous à carreau, on va sortir dehors. Salam alaikum à tout le monde. Je rigole, on est en Algérie. Ça y est, on est sorti de l'hôtel, les gars. On vient de trouver une piscine. Vous vous rappelez qu'on était sur le balcon? On regardait la piscine, et elle est juste là dans nos yeux. J'espère juste qu'elle est chauffée. J'ai touché avec ma main, elle est chaude. Regarde. Je sais que si vous allez me dire c'est un vrai DZ, tu vois, même si l'eau elle est froide. Viens, on va voir si elle est chaude. Viens, on va toucher. J'espère vraiment qu'elle est chaude. Sinon, c'est KO. Oh, là-bas, il y a même des pizzas. Regarde. Incroyable. Là-bas, il y a des pizzas. Toi, tu pronostiques qu'elle est chaude ou elle est froide? Moi, je pronostique, vu que c'est des vrais DZ, ils vont mettre l'eau chaude. Les vrais DZ, ils aiment pas le froid normalement. Ah, j'ai touché, c'est brûlant le sol. Ah ouais? Ah, ici, on a un autre.
restaurant brûlé. Le Petit Bleu. Et ici, vous allez voir plein de choses en rapport avec la France, puisque la France, ils étaient installés là quelques temps. Est-ce qu'il y a des pizzas à la mayonnaise? Bon, on verra après. Je vais juste toucher l'eau, Bon, en plus, elle est grave profonde, ça va faire des 24 heures dans la piscine. Oh non, moi j'ai pas pied, hein. Elle fait 3 mètres. Wesh. Elle est chaude. Je t'ai dit. Elle est chaude. Je t'ai dit. Attends, je vais regarder, je vous promets, elle est chaude. Attends, moi aussi, je vais essayer d'aller voir. Oh, elle est chaude. Masterclass. Je te l'ai dit, elle est chaude. C'est chauffé, les gars. Elle doit être au moins 26 degrés. Je vais laisser Yasmine toucher. Non, non, allez, je te pousse pas. T'inquiète pas, mon rey. Myriam, pousse-le, pousse-le. Non, 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 ça se fait pas. Je dirais voilà. Elle est pas chaude, elle est tiède. Bah, ça va en vrai. Pas, genre, voilà, tu me pousses pas. Mais non, moi je pousse personne, moi. Tiens, parce que moi j'ai pas pied, de toute façon je me noie si tu me pousses. Je te jure, elle est chaude. J'ai déjà été dans une piscine à l'école, elle fait 4 mètres. Attends, Younes, il y a un truc de ouf là. Quoi? Ce que je vois là-bas, là, c'est la mer. La vraie mer d'Algérie. Attends, il y a le drapeau rouge, on a pas le droit de se baigner. Venez, on y va. Et regardez, il y a le drapeau rouge, on n'a pas le droit d'y aller. Viens, on y va, c'est la vraie mer d'Algérie. La mer d'Algérie. Est-ce qu'il y a des requins dans la mer? J'ai la phobie des requins. On est dans la mer Méditerranée. Bah c'est vrai, en Algérie, un jour j'avais une vidéo, il y avait un requin. Et par contre, non, par contre, vrai, truc vraiment vrai, la mer, faut faire super attention parce qu'il y a grave des trous, des tourbillons, des trucs comme ça, donc faut faire grave gaffe. Des tourbillons, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vrai, toi tu connais rien. Tu t'es cru dans Naruto? Je connais rien. Tu t'es cru dans Naruto, Shikawa, tourbillon. C'est incroyable, Myriam. J'espère le sable est pas chaud. Ouais, je regardais, il y a un mec là-bas, il fait quoi? Bah attends, attends, c'est drapeau rouge. Bah ouais, logique. Nous les DZ, on est ZAF. Le drapeau, la mer aussi, elle est ZAF. C'est comme ça, on est énervé. Mais regardez, la mer, elle est énervée. Il y a quand même des gens qui nagent, c'est des malades mentaux. Incroyable. Et franchement, les gars, c'est super. Beau. La mer, elle est super propre. Il y a pratiquement personne. C'est incroyable. On est pratiquement tout seul. Tu fais quoi avec tes lunettes? On y va. L'eau, elle est glacée là. C'est sûr, je peux te tracer en course dans le sable. Dans le sable, on fait une course. Vas-y. Tu crois qu'avec ça, tu peux me gagner? T'inquiète. Vas-y, j'arrive. Hey, je vais la boire. C'est toi qui dis 3, 2, 1, go, c'est moi. C'est moi. Vas-y. 3, 2, 1, go. Aïe! Pourquoi tu m'as jeté ça dans la tête, espèce de... Pourquoi tu m'as jeté ça dans la tête? C'est pour te déstabiliser. Espèce de... Je vais t'emmener dans la... Allez, je t'emmène dans la mer. Comment je kiffe, les gars, les palmiers. Ah, moi, et ça, c'est le rêve de ma mère en France. Elle kifferait avoir ça, mais ça, c'est que dans les pays grave chauds. En Algérie, en Tunisie, au Maroc. Mais par contre, les gars, vous savez très bien que moi, il me faut du sport. Il faut qu'on trouve un endroit pour faire du sport. Tu penses qu'il y en a en Algérie, du sport? Bah ouais, je pense qu'il y a tout en Algérie. Il y a pas Marais, il y a pas Marais ici. Je crois qu'il y a marqué fitness. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour toi. Ça commence à être incroyable. Mais pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est noir? Et un long couloir. Oh. Fitness, peut-être en Algérie, ça veut dire. Peut-être ça veut dire couloir. Ouais, peut-être ça veut dire couloir. Bon, les amis, on a eu l'accès. Il y a encore une autre piscine. Il nous a dit, faites comme chez vous. Donc, faut descendre, je crois, faut descendre. Attends, mais il n'y a même pas de truc pour se tenir. Et frère, t'as 90 ans pour te tenir. Tu descends comme ça. Normal, t'es une vraie DZ ou pas? Il a dit qu'en Algérie, il n'y avait pas de salle de sport. Waouh. Elle est belle. On est à Paris. Il y a toutes les machines et je vous promets que dans certaines salles en France, il n'y a pas ça. C'est une dinguerie, là c'est le coin jambe. Là-bas, c'est pour tous ceux qui mangent beaucoup de pizza et tu vas les retrouver au tapis comme ça. Mais c'est qu'ils mangent des pizzas toute l'année. Ils vont sur le tapis, ils croient qu'ils vont manger. Ça, c'est quoi ça? Arrêtez de manger des pizzas. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est rien. Ça, c'est ça, rien. Ça bouge. What? Et après, tu montes, tu dis 1, 2, 3, viva l'Algérie et tu redescends. Bah, c'est bien, et ça, on va pouvoir faire notre sport. Ça y est, ça? Ça. Toi, tu poses pas beaucoup de questions, mais allez, hein. Tu veux que je me casse la gueule, hein. Des dips comme ça. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Comme ça, c'est bon, t'as plus de questions. Bon, c'est bon pour l'instant, c'est réglé en tout cas. Il y a même un piano. Hier, il y avait un monsieur, tu sais pas, quand on est arrivé à le truc, il sait grave bien faire le piano. Non, il faisait n'importe quoi, désolé. Bah, en vrai, s'il n'y a pas un terrain de foot ou un truc de tennis ou un truc comme ça, ça peut être stylé. La décoration, c'est une masterclass. On dirait dans les châteaux. Ah trop beau. Là, c'est le moment de manger, on va goûter des pizzas en Algérie. J'espère vraiment que c'est bon, les gars. Ils ont mis des mozzarella, du sanglier, des fleurs. Oh là là. Bon, viens, on va manger une pizza, mais là, on va filmer le chef. Salam alaikum. En train de faire la petite pâte. Tu sais faire ça, toi? Non. Est-ce qu'elle est professionnelle? La professionnelle. Ah oui. Il a dit on va filmer le four. Regardez le four, les rails. C'est un four à bois, tu vois, ça c'est la vraie cuisson des pizzas. Ouais, je sais, c'est les vraies de vraies pizzas. C'est les vraies pizzas comme les Italiens. Pas comme nous, avec nos cuirs de la Hesse. Là, il ramène le fromage. Ça a l'air bon. Oh, il a mis la dose. De fromage. Le poulet aussi. Waouh, il y a même du fromage râpé comme ça. Ah, c'est une dinguerie. Allô, on va se régaler. Là, c'est le poulet. La bonne dinde. Faire des masterclass même. Là, ça va partir au four. Waouh. Est-ce que tu saurais faire ça, toi? Bah ouais, moi je pourrais faire ça. Hein. Ok, préparation, là, il envoie au four à feu de bois. Magnifique, magnifique. Chokran. Tu es avec Myriam, on a la dalle. Grave. Et j'espère vraiment que ça va être bon. La dernière fois que j'ai mangé une pizza, ils avaient mis du ketchup et là, elle a mis de la sauce tomate. Alhamdulillah. Bon, vas-y, on attend la graille. Ah, viens, on se pose là, il est stylé. J'avoue, les gars, petite terrasse bleue. Mais là, en mode 1v1. La terrasse bleue comme la mer, la piscine. Myriam, elle va commencer. T'as de la chance, tu commences. Déjà, pour commencer, j'ai pris un burger. Ciao. Non, le burger, comment il est? Le pain, il est pas comme en France. Je sais pas si vous avez regardé, il est bien balé. Avec des bonnes frites. Merci. Merci, chef. Les petites sauces. Oh, t'as multi-sauce, hein. Des frites, bro. Regardez, ceux de la France, elles sont bien blanches. Là, ceux-là, regardez, elles sont bien
orange. On va tester toutes les sauces d'Algérie. Alors déjà, on commence par celle-là. Et ketchup, mayonnaise d'Algérie. Il y a sauce algérienne ou pas? Ouais, ils l'ont pas mis. On va goûter la mayo de l'Algérie. Est-ce que c'est la même mayo qu'en France? Normalement, celle de l'Algérie, elle est différente. Ça a le goût de la sauce à salade. Ah, t'aimes pas? Ouais. Ok, sauce algérienne. Je regoute. Elle est légère, en mode c'est plus la sauce. Moi je vais kiffer par contre. Le ketchup il est plus lourd. J'aime bien, mais aussi il est plus sucré que la France. Les frites par contre elles sont bonnes. On va goûter le burger les gars, le pain il est bien bon. Ah non, je crois qu'ils ont mis de la sauce algérienne. On va voir le pain, on voulait un peu pour voir s'ils ont mis, du ketchup ou de la mayo dedans. Ils ont mis quoi? Ah on voit pas très bien, vas-y tape et tu me dis ce que t'en penses. Oh le bicro, ça c'est ma soeur. Ah il est bien garni hein. Alors les gars en fait ça me choque vraiment. J'ai pas l'habitude de manger ça, mais le truc qui me fait le plus choquer c'est la viande. Attends. Ah on a oublié de demander si c'est halal. Ah mais on est en Algérie. Faut arrêter de faire des coups de frire comme ça là. En fait moi j'aime bien le burger. Sauf qu'en fait il y a une contradiction, genre c'est le poulet. Genre je trouve que genre le poulet il a un goût mais j'ai pas tapé là où il y a la sauce. Attendez, je vous dis c'est quelle sauce. Waouh, le micro de dinosaure, mais t'as pas mangé de piquant. C'est sauce ketchup. Je dirais un mélange des deux. La pizza en tout cas elle est super belle. Waouh. Elle me donne vraiment beaucoup envie les gars, on va taper directement. Eh par contre ici il y a pas de sauce piquante genre pour les pizzas. Non, il y a pas de sauce piquante. Bismillah. Oh là là, la masterclass. Les gars, le fromage, je vous promets, il est trop bon. Ça se voit que le chef qui nous a fait la pizza tout à l'heure, il est vraiment doué. Il a mis de la bonne dinde. Italien, je crois qu'on fait des meilleures pizzas que vous. Elle est trop bonne. Mais j'ai rien d'autre, on m'en fait fondre. Je vais la dégommer. Genre, c'est comme, tu sais qu'il y a un pain, genre à la boulangerie arabe, tu l'appelles, ça s'appelle le pain de zahar. Ouais, le pain de zahar, bah, je crois que c'est pareil, les gars, je lui mets la note de 9 sur 10. Younes, ça fait ta deuxième assiette là, moi je tape un croc, j'ai plus faim. Et hey, j'ai payé, je mange tout. D'ailleurs, c'est quoi les prix? Alors, pour la pizza, on a payé à peu près 7 euros. Ouais. Et pour le burger, à peu près 8 euros. C'est des prix de l'hôtel, pour l'Algérie, c'est cher. Hein. Tu vas voir qu'on va aller dans la vraie Algérie, genre qu'on va sortir dehors, Inch'Allah. Ça sera beaucoup moins cher. Avec Myriam, on est vraiment choqués les gars, on a trop bien mangé. Incroyable. Par contre, je t'explique, on va pas manger comme ça tous les jours. Quoi? Je vais devenir gros. Là, en cas de feu, utilisez les escaliers pour sortir, n'utilisez pas les ascenseurs. On est des Algériens. S'il y a un feu, on fait comment? On casse. On casse. On va faire un proca ici, on va lui faire croire qu'on a mangé des pizzas au ketchup. Salam alaikum. Il a déjà fait sa salade. Vous êtes parti manger sans moi. Ah, c'était pas bon. Non, moi, je dis qu'il y a des pizzas au ketchup. Wallah. Pas bien de jurer sur ça. Ah, c'est sûr que c'était bon, leur bande de menteurs. Eh, hey, mais Younes, on va aller au magasin, mais les euros, ça marche pas ici, on fait comment? Non, ici, on est en Algérie, les frères, c'est mais des dinars. Papa, il m'a donné ça pour dépanner. C'est des billets de 2000. 4000. Wesh. 6000. C'est que des billets de 2000. Il y a 8000 balles. Non, mais c'est pas 8000 euros, je t'explique. 1000 dinars, c'est équivaut à peu près 4 euros. Donc là, vous avez ces 8000 dinars. Si vous êtes chaud pour qu'on aille dans la ville, vraiment visiter, c'est quoi l'Algérie? Parce que là, je les ai ramenés à l'hôtel. T'as vu, je vous ai pas ramené dans la ville de l'Algérie. On va prendre un taxi, Inch'Allah. Mettez un max de like, abonnez-vous. Et 1, 2, 3. Vive l'Algérie.